Moi juste c'est ça, c'est fort le son des jeux. Je l'augmente. Coucou Pac, comment ça va mon petit chou? Ça fait plaisir de te voir. Dites ça c'est fort. Et après on y lance le stream. Est-ce que c'est bon le son? Ma cousine vient de revenir et du coup il y a un resto à midi avec mon grand. Ouais bah écoute bah mec essaie de... bah écoute si t'arrives à partir après manger c'est cool quoi, franchement c'est cool. Et t'as jusqu'à quand tes vacances? Parce que j'ai eu le gars pour le stage qui m'a téléphoné. Ça fait plaisir de te voir mon pack, tu m'avais manqué ma biche. Et le stage ils aimeraient te voir en entretien mec et du coup tu es là jusqu'à quand en vacances? Le son est top, ok nickel merci les gars. On va juste charger parce que ça fait vraiment que je suis là et mon gars il... Dans ce jeu rester longtemps chargé c'est pas la bonne chose. Enfin longtemps en jeu sans rien faire. Dans le jeu que tu peux vraiment pas laisser traîner. Donc j'ai fait le calcul hein. J'ai joué un peu avec la copine aussi avant. J'ai un total de 100 heures de jeu. Un total de 100 heures de jeu et je suis absolument pas du tout lassé du jeu. J'ai encore 359 milliards de trucs à faire. Et j'ai absolument... J'ai 2-3 problèmes dans la vie à gérer. Je peux plus trop me permettre de t'en livrer. Et mon Pax, j'espère que c'est rien de grave, tu sais très bien ma biche. Même si c'est des choses que t'as peur d'en parler, tu peux toujours en parler avec moi ou dans le chat. Voilà, après je sais qu'il y a des choses qui sont plus gênantes que d'autres, mais tu sais par quoi je suis passé. Et donc je suis là pour toi, mon pack. Si t'as besoin de moindre conseil, le moindre soutien, je pense que dans le chat ou moi-même, on essaiera de t'aider. Après, si je te dis ça, t'es pas obligé, mais que tu saches, on est là pour toi, quoi. On est là pour toi et puis on t'apprécie comme tu es, ma poule. Donc hésite vraiment pas si t'as besoin d'un petit câlin, d'un petit coup de réconfort. Même si ça peut te paraître stupide, si c'est juste ta mère qui te fait chier ou ton père, ou si c'est des trucs plus graves, ben, n'hésite pas, on est là pour toi. Ne te sens pas obligé, mais que tu saches vraiment que le soutien il sera présent pour toi, ma biche. Parce que c'est comme je suis, moi quand je vois quelqu'un est pas bien, je me sens obligé de tendre la main. Ah ouais, je repars après manger, ça sera l'après-midi, donc je dois repartir. Rien de grave, t'en fais pas, c'est juste. Des choses dans lesquelles je dois m'investir. Les études, peut-être? Tout hasard, les études. En tout cas, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent en cours de stream. On est avec Chop Chop. Donc, après 100 heures de jeu, nous allons continuer notre aventure. J'espère que vous allez passer un bon moment ici. C'est un stream convivial, interactif. On discute, je propose des streams zen, détendus. On rigole avec les gens. On prend le temps de discuter. Parce que voilà quoi, les gens qui sont là, s'ils me posent des questions, moi j'aime bien y répondre. Soyez tous les bienvenus si vous êtes nouveaux. Pour ceux qui sont des habitués, bah, merci beaucoup de votre fidélité. On va lancer le stream jusqu'à midi, je pense. Midi non-stop. Non, pas des problèmes fil en plus. Si, non plus. Bon, alors ça va. Ça va. Alors, si t'es riche, tu peux subscribe à ma chaîne. Alors, depuis le temps que t'es là. Non, je rigole. Le gars, il veut faire cracher des sous. Pas de problème financier. C'est à moi, t'as ton Monster Hunter World. C'est toi, ton Monster Hunter World. Allez, je mets l'écran. Tac. Les lunettes sont propres. On fait monter les chiens. Regardez tout bon. Porte. Au passage. Elle est partie. Ah, c'est d'origine financière. Ah merde, ok, d'accord. Ouais, bon, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. C'est embêtant, ma poule. Je veux dire, ma boule. Allez, viens. Vous avez plein de poils. Oui. Viens, viens. 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 Voilà. Du coup, on est parti. Tac. Je me pose tranquillement. Nouvelle fenêtre. Bon, t'avais raison. J'ai bien fait t'écouter ça, Jean-Cuy, hein. Grâce à toi. C'est bien amusé sur ce jeu. Parce que t'as vraiment. Lui, il avait senti le fil en venir. Hein. Sergent Kui m'a dit, mec, quand tu stream sur ce jeu et tout, ce jeu va être énorme. Bah, grâce à toi, Kiwi, ce jeu est énorme. Pas faire des études pour dire que t'as fait. C'est pas fait pour moi, ça crée trop de soucis. Ouais, t'inquiète, ma poule. Hein. Tu sais,
Moi, je vais pas te mentir, hein. Je suis quelqu'un qu'au début j'ai dit bon, j'ai fait ma petite formation, mes études en informatique. Après, j'ai taffé, puis après quelques années plus tard, je me suis dit bon, je vais réétudier, tu vois. C'est encore jeune et puis tes idées, tu vas changer d'avis assez rapidement, quoi. On va juste charger, comme ça on part vraiment à zéro, quoi. Savoir qu'aujourd'hui j'ai joué, les gars, j'ai joué 2 heures et je suis mort. Ça avait pas sauvegardé. Pourtant j'ai dormi 3150 fois. Je suis à la même position que toi avec mon gros husky à côté. Husky à côté. Ah, c'est cool la biche. T'as aussi un chien du coup, ma poule. Il a quel âge ton husky? T'as le même canapé et tout, ma poule? Enfin, ma dinde. Je t'appelais ma dinde. Voilà. Sauf que moi j'appelle les gens ma dinde, ma biche, ma poule. C'est affectif. Et là, du coup, t'as ma dinde. C'est quoi le nom de tes chiens? Ça, c'est QB. D'ailleurs, elle me regarde. Ça, c'est Timo. Voilà, ils sont arrivés. Pourquoi ils donnent des prénoms sans rien faire? Ça, c'est Timo. Ça, c'est QB. T'as de la patte. Oh, c'est bien. Bon, allez, on est parti, les gars. On est parti, on est parti. Donc, notre objectif principal, c'était d'aller à la ville pour réparer son armure. Et surtout d'aller défoncer des gars. Attendez, voir juste ce que j'ai dans mon sac. Ok. J'ai ça dans mon sac. Attendez, je vais voir ce que j'ai. Ce que j'ai dans mon coffre. Ce que j'ai dans le cheval aussi. Parce que peut-être j'ai des trucs intéressants dans le cheval. Cheval. Y'a rien dans le cheval. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai joué 2 heures. J'avais monstre loot de la mort et tout. Et je suis mort. QB référence à Naruto? Non, en fait, c'était. Alors, oui, QB c'est en référence à Naruto, mais QB à la base, je l'appelais QB. Mais en fait, je vais pas vous mentir. Il a 3 ans bientôt et 4 ans, c'est magnifique. Moi j'adore les chiens, je peux pas vivre sans chien. Merde, c'est pas ça que je vais faire. En fait, pour répondre à ta question, quand j'ai appelé mon chien QB, je voulais l'appeler un peu un nom de renard, tu vois. Donc en fait, mon chien, il a un peu la queue touffue, il a des grosses oreilles de renard, regarde. Le chat! Le chat! Regarde ses oreilles comme elles sont bien pointues. C'est le chat, c'est maman! Il est où maman? Il est où le chat? C'est le chat là! Voilà, tu vois ses oreilles comme ça. Elle a souvent les oreilles comme ça. Bon, là, c'est parce qu'elle est posée. Quand elle est posée, elle a pas ses oreilles pointues. Et du coup, je me suis dit, putain, il faut que je trouve un truc sur un renard mythologique et tout, machin. Puis il faut savoir qu'en Corée, je crois que c'est en Corée que j'ai vu ça. Hein. Je crois que c'était en Corée. Je crois que c'était même pas au Japon. La mythologie du renard Kyubi à 9 queues, etc., etc., existe vraiment. Et en fait, bah, je suis tombé sur cette page, j'ai commencé à lire la mythologie, je me suis dit, je vais l'appeler Kyubi. Mais à aucun moment dans ma tête, j'ai pensé à Naruto. Et puis après, je sais pas, genre 2-3 mois plus tard, j'avais déjà le chien, il s'appelait déjà QB. Puis j'ai regardé un épisode de Naruto, puis là je me suis dit, mais what the fuck, je viens d'appeler mon chien comme dans Naruto, quoi. Voilà, bah voilà, c'est comme il dit, à la base, QB vient de Corée. Bah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est seulement par après que je me suis rendu compte que j'avais nommé mon chien comme dans QB de Naruto, quoi. Sur le moment, en fait, j'étais tellement déconnecté, tu vois. C'est un peu comme des fois, tu regardes un truc que t'as l'habitude de voir à un autre endroit et que tu fais pas le lien, et puis tout d'un coup, tu le vois à l'autre endroit, et tu te dis, ah, mais oui, c'est vrai, ça vient de ça. Voilà, Kitsune, c'est ça. Puis Timo, par contre, il s'appelait avant que je joue League of Legends, il s'appelait déjà Timo, avant même que le Timo de LoL existe. Ah, mais il est là. Il est là, le gars des duels. On va pouvoir refaire notre duel, du coup je vais le buter. J'espère gagner le duel cette fois. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, Ouais, je toi tu veux suis le buter, défiant mon duel, gars. monsieur. Comment donc? Salut Oxy, comment ça va, biche? Vous avez bien entendu. N'essayez pas de vous défiler. Allons-y. Ne perdons Allez, pas de cette temps. fois, je gagne le duel. Faut savoir que j'ai fait 2 duels cet après-midi, j'ai buté les deux et j'ai récupéré leur stuff, j'étais trop bien. C'est le deuxième que je vais revoir. Dieu seul sait ce que vous cherchez, mais puisque vous tenez à m'affronter en Allez, c'est parti. duel, allons-y. Magnifique. Je vais rapprocher mon écran parce qu'il faut pas bien le chat. Oh, l'enfoiré.
Oh putain, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Bien gérer la distance. Oh l'enfoiré. Oh, putain, il m'a déjà bien tabassé, le gars il est trop vénère. En même temps, leur armure, elles sont 200 fois plus puissantes que moi. Putain, mais quand je lui donne un coup. En fait, il faut que j'attende qu'il me frappe, faut que je fasse comme sur FC quoi. J'attende qu'il me frappe. Je frappe par après quoi. Chaud hein. Les stocks ça marche quand même assez souvent hein. Regardez. Encore des stocks. Ah mais il m'a fait encore des stocks, voilà c'est génial. En plus il m'a baissé la main, c'est génial. C'est méga génial. Ok, il apparaît. Oh putain mais ils partent tous, bâtard. Allez on y va. On a les genoux qui tremblent. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, il me défonce ce gars, il me déroye la tranche. Tiens un coup dans la tête. Allez, bon, j'ai mis un bon petit coup. Oh 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 oh. Oh, je m'arrête plus. Oh, j'ai gagné. Oh, j'ai gagné. What the fuck. Oh, les stocks là. Oh, l'enchaînement des stocks. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Excusez-moi s'il y a des personnes qui sont arrivées entre tout. Ça va, super, Roxy. Excuse-moi, ma poule. Tu vas faire un duel et tu me donnes rien. Mais mon gars. Vous allez bien? Par ici. Vas-y, ferme ta gueule. Tac. Excusez-moi, je vais lire le chat tout de suite, mais là je fais des trucs pour éviter de me faire buter. Enfin, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui arrive avant. Allez, dégage. Go le tour de la map en reculant. Trop d'idées, toi. Piller. Voler tout. Bim. Ensuite, cheval. Bim, attendez j'arrive, je vais lire le chat, mais excusez-moi. Je fais juste ça vite pour éviter qu'il y ait un mec qui débarque, je jette le cadavre dans l'eau comme j'ai fait l'autre fois. Bon pour l'instant, non seulement j'ai gagné le duel, j'ai gagné une chaîne de points, et là j'ai trouvé une combine hein, pour gagner les combats. Hein. Le coup d'épée enchaîné sur les stocks, le gars il peut rien faire. Sur le cheval. Ok, armure. Cheval. Cheval. Parce que sinon je vais être trop lourd. Oh, cheval, excusez-moi. Hein, je vais lire le chat, ne vous inquiétez pas, mes poussins. Ah, oh, j'ai vraiment chaud, hein. Putain, je suis trop content d'organiser. Je vous jure, ce jeu, quand vous gagnez un duel, vous gagnez un combat, mais vous êtes aux anges. Allez, viens par là. Faut pas me prendre en provoquant duel. Hop là. Allez, maintenant, on va vite aller dans l'eau. Où est l'eau? Ouais. L'eau est un peu loin. Je qu'il y a personne qui vient me voir avec ce corps. Ça risque de créer des problèmes. Du coup, j'ai profité pour lire le chat. Excusez-moi, mes poussins. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Je m'en doutais pour Timo. Mais Timo, c'était vraiment avant LOL. Hein. C'est parce que je l'ai pas appelé par rapport au jeu. Hein. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais t'as appelé ton chien par rapport à LOL et tout. » Je fais « Mais mon chien, je l'avais déjà avant que Timo existe dans League of Legends. » Donc voilà quoi. Du coup, salut Oxy, ou du moins, on s'inspire du manga, de la Corée, ça va. Oui, ça va, donc Oxy, ça fait super plaisir. Merci encore à toutes les personnes qui sont fidèles à mes lives. Comme je l'ai dit juste en début de live, j'ai vraiment besoin de votre soutien parce que ça serait vous mentir. Moi, j'aime pas vous mentir. Non seulement, je vous apprécie, j'aime développer une petite affinité avec chaque viewer. Il y a le chat. Vous le gérez super bien, il y a un respect mutuel, on rigole, il n'y a pas de ce troll ou ce manque de respect envers vous. Et ça, j'apprécie énormément. Et surtout,
C'est grâce à vous que je pourrais me rapprocher de mon but qui est de passer Twitch partenaire où il me faut une moyenne de 75 viewers en un mois. Et je vous en remercie. Donc merci à Oxy, merci à Aiden qui est là. Merci à tous ceux que j'ai déjà dit merci avant. Et si j'oublie de quelqu'un, bah, excuse-moi de t'avoir oublié. Je te dis encore une fois de plus merci. Donc ça va bien Oxy. Donc salut Aiden, comment tu vas ma vie? Je suis encore un qui va finir à sommer. Puis dans un forêt exécuté. Bah, c'est un peu ça mon poulet. Mais du coup là on a gagné le duel, je suis content. Ouais, les mangas s'inspirent beaucoup du folklore asiatique en général. Vous avez gagné un niveau en défense, le gars est juste en train de se faire défoncer, mais ça va, il gagne un niveau en def. Bah ouais, c'est un peu ça. GG, bah merci beaucoup Izu, pour faire un tour de la map. Bonsoir, salut les limiers, le limier, salut à toi mon frère, namasté, ça fait super plaisir de t'accueillir. Je m'appelle Chop Chop, je propose des limes conviviales, détendues, bonne ambiance. C'est très gentil à toi de passer un petit moment sur mon stream. Je sais pas si t'es déjà venu ou si c'est la première fois, mais n'hésite absolument pas à poser des questions. Si je peux t'aider, ça fera avec plaisir. Si je veux juste passer un bon temps avec mon stream qui est d'ambiance conviviale et familiale, mets-toi à ton aise, n'hésite vraiment pas. C'est vraiment très généreux de ta part de passer sur mon stream, mon ami. Merci beaucoup. Et le limier, bah voilà, comme petit clin d'œil Game of Thrones. On va ponquer le corps. Je peux le déposer là, en fait. Hein. En vrai. Est-ce qu'il va trouver le corps, là? Est-ce qu'il est visible, là? Est-ce qu'il y a une route, tout près? Est-ce qu'il est visible? Attends, on va se mettre en mode RP, là. Si je passe là, je vois le corps. En vrai, t'oublies, y'a personne qui trouve le corps, là. Bonjour, tu estimes à combien la durée de vie de l'histoire principale? En vrai... Salut à toi Tikyo, comment ça va Vich? J'espère que tu vas bien. En vrai, pour répondre à ta question... Ça dépend comment t'appréhendes le jeu. Pour moi, le jeu, t'es obligé de faire attention à tout ce qui est secondaire, comme la bouffe, etc. etc. Parce que si tu rushes le jeu, ben, tu vas être pénalisé dans le reste. Mais moi, c'est ce que je dis, la durée globale du jeu, pour moi, elle est entre 500 et 1000 heures. Pas une blague, je pense vraiment que si tu veux vraiment exploiter le jeu. Après, dans des données factuelles, rien qu'en termes de cinématique, le jeu possède 4 heures de cinématique. Donc maintenant, si tu veux finir, tu veux juste mater les cinématiques en chaîne du jeu, c'est 4 heures. Donc maintenant, tu laisses imaginer le temps de faire les trucs, etc. Je pense que l'aspect scénario principal, il devrait avoir peut-être entre 80 et 100 heures, je pense, hein, si ce n'est plus. Après, je pense que si des gars rush, peut-être qu'ils pourront aller plus vite. Mais entre nous, moi, je dis sincèrement, c'est le genre de jeu où finalement, ce qui est principal devient secondaire. C'est assez drôle à dire. Parce que t'es tellement imprégné dans l'RP de ton personnage. J'ai vu qu'il y a des streamers qui sont en train de rush la quête principale. J'ai regardé un peu avant, quand je me suis réveillé. Il y avait des mecs qui avaient à 5000 viewers et tout. Ils étaient en train de... C'est malheureux pour ces viewers. Ils arrêtaient pas de critiquer le jeu. Je sais pas s'il y a des gens qui ont été voir d'autres streamers. Ils arrêtaient pas de critiquer le jeu. Que c'était de la merde, que le système de combat il était trop difficile. Nanani, nanana, je sais pas quoi. T'es un gars mort. Que c'était trop rigide, que c'est pour faire. Que ça allait trop vite et tout, machin. J'étais là, what the fuck, quoi. Comment tu peux critiquer ce jeu? J'ai pas compris. What the fuck, quelqu'un? Oh, merde! Ma vieux pied. Qu'est-ce que vous faites, sale meurtrière? Merde! Mort diable, mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous fichez là? À proximité d'une dépouille? Près d'un lieu de crime? Oh putain. Cherche des coumans. Je cherche des coumans, et je les tue. Vous? Je n'y crois pas. Oh putain, je suis dans la merde. Attends, si je réponds ça... Oh, si je réponds ça, que j'ai examiné ses blessures. Ah, j'ai examiné la scène de crime, je suis au-dessus d'elle. J'essayais d'en savoir un peu plus avant d'aller signaler le meurtre. Réussite, yes, j'ai peur. J'ai un drôle de pressentiment à votre sujet. Mais je ne peux pas avoir la certitude. Oh là là, j'ai peur là. De ce massacre. Je suis soulagé. Et j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Ouais, voilà, là c'est des mini bugs qu'il y a dans le jeu des fois. Et qui en soi ne gâchent pas du tout. Je vais vous traîner moi-même jusqu'à Bailly. Oh, je vais faire ça parce qu'apparemment. Je vais faire quoi? Je vais vous dénoncer. Non, ce serait beaucoup plus simple d'avouer. Ouais, on va faire ça. Vous feriez mieux d'avouer votre crime.
Réussite. Je vais vous dénoncer. Je ferai bien d'aller vous dénoncer. Moi, on m'écoutera. Je pourrais vous traîner jusqu'à Rathay et laisser le... Pourquoi je suis réussite surtout. Saligo, comment pouvez-vous oser? Je sais ce qui s'est passé et je ne laisserai pas... J'ai vu beaucoup de commentaires, Aiden Pico. Aiden Procyon, mec, c'est super drôle. Si vous essayez de me faire porter le blâme pour quelque chose que je n'ai pas commis, c'est toute la fichue province que je vais mettre au courant. Vous êtes le meurtrier. Vous êtes le meurtrier. Qu'est-ce que vous insinuez, bordel? J'en ai marre. Je m'en vais au village leur dire que vous portez de fausses accusations contre moi. Mais meuf, je vais te buter, quoi. Oh, tu vas où? Non! Oh putain. Attends. Faut que je la rattrape. Je la rattrape et que je la bute, quoi. Attends. Déposer. Il faut que j'enlève mon poids en trop, et je vais venir ramasser ça après. Voilà. Viens par là, toi. Viens par là, sale enfoiré. Connasse. Oh putain, j'ai pas réussi. Je la somme. Je la putain. Y'a un gars juste là-bas, y'a là. Oh non. Allez. C'est quoi cette meuf? Il faut que je l'arrête pour la semer. Oh yes, c'est bon. Vite, faut que je la récupère. Vite, garde-la avant que le trait arrive. Voilà. Ramasser le corps. Vite. Oh putain, un chien. Le trait n'a pas encore vu. Vite. C'est les gars. Je sais pas qui c'est cette meuf, mais je l'accuse d'un crime et elle va dire à tout le monde, elle va foutre la merde. Je vais soutirer 25 gold. Ah putain, enfoiré. Bien joué, ma poule. Ah, moi, je vais devoir. Bah tiens, on va voir du coup si tu la butes, est-ce que tu peux récupérer les... Est-ce qu'elle a aussi 25 gold sur elle, tu vois? Oh, s'ils ont poussé le réalisme... Allez, je crois que je suis en train de devenir un putain de criminel, mais bon. Oh, le petit bruit, là. Le petit bruit. Gold. Qu'est-ce que vous dites? Ah, cette scène, oh, un cadavre, tu pilles devant cette vieille dame, accuse-la de meurtre et au cours auprès de cette vieille, enlever, la tuer et cacher son corps. Voilà, c'est ça. Du coup, le problème du mec qui te suivait partout hier, il est résolu. Oui, j'ai dû recharger, j'ai dû revenir en arrière. Chop chop les ventreurs. Voilà, c'est ça, exactement ça, les poulets. Chop chop les ventreurs. On va aller la cacher un peu plus loin. Au proche de la route. Ici, c'est pas trop mal. Comme ça, là. Ah, c'est puissant. Je vais aller récupérer les trucs que j'ai jetés. Attendez, est-ce que j'ai ma torche? Bienvenue aux personnes qui débarquent sur le stream, je m'appelle Chop Chop, je fais des streams conviviales, détendus, bonne ambiance, bon enfant. N'hésitez pas à parler sur le chat si vous passez un bon moment. Pour plus d'informations sur moi ou si vous débutez le jeu, sachez que sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de tutoriels qui aident les débutants. Et en plus de ça, si vous passez un bon moment sur live, n'hésitez pas à me follow pour pouvoir regarder mes streams régulièrement. Je stream absolument tous les jours, les poulets, que vous le sachiez. J'étais pas inspiré, mais là, il a l'air cool ce jeu. Non, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Après, il faut être patient, tu vois. C'est un jeu. Ah ouais, cet après-midi, faut savoir que ce matin, j'ai joué à peu près de 10h à 16h. Et je suis mort. Pour ceux qui étaient là, ils ont vu. Je suis mort et puis j'ai perdu à peu près 4-5 heures de jeu. J'étais dégoûté. Du coup, là, on est en train de reproduire ce que j'ai perdu. J'étais deg. Alors, on va récupérer les objets que j'ai mis par terre. Et j'aimerais vraiment bien retrouver l'autre soldat, là.
J'aimerais vraiment le retrouver. Je l'avais affronté de nuit autre jour, vous vous rappelez les gars? Pour essayer de faire vraiment le timing exact. Ah, ils sont les habits que j'ai jetés. Ils sont pas là? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Si j'avais fait... Si je l'avais, j'avais fait le duel de nuit ou de jour contre le deuxième gars. Putain, ils sont les trucs que j'ai jetés. Bah, tu me diras, c'est pas grave. Dis-moi, tu connais le prix du jeu? Salut à toi, Alex Tazi. Salut à toi, ma biche. J'espère que tu vas bien. Merci de passer sur le stream. Namaste à toi, ma poule. Avec grand plaisir que je t'accueille. Le prix du jeu, en tout cas sur PC, il est à peu près 40€. Je sais que tu auras sur des sites comme Kinguin ou Instant Gaming, tu le chopes pour 30€. Mais sur console, il est un petit peu plus cher. Après, voilà, quoi, ça dépend sur quoi tu veux jouer. Là, sur console, moi, j'ai aucun problème. Je le trouve très beau. Après, bah, si tu veux prendre sur PC, prends-le, quoi. Apparemment, les gens qui sont joués, ils n'ont pas eu de réel problème. Bon, du coup, j'ai acheté des trucs que je pourrais plus revendre. Tant pis, quoi. C'est le moment où tu continues le jeu à poil. Ouais, c'est un peu ça. Bon, ça va, c'était des trucs que j'avais volés, que j'ai jetés. C'est des trucs que j'ai... Que j'ai volé, que je voulais revendre, mais du coup, tant pis, quoi. Il pleut, il fait nuit, on voit rien. Ouais, c'est la même chose que toi, tu vois, toi aussi, moi j'aime bien ce jeu. Même si des fois sur PC c'est mieux, peut-être sur PC je le jouerais plus pour faire un peu mode posé, mais j'aime bien ce genre de jeu, me poser sur le canapé, jouer avec la copine, des trucs comme ça. Puis c'est le genre de jeu où t'es bien sur le canapé, avec une grande télé, et puis tu t'éclates. Puis je pense que je préfère mettre le côté graphique, parce que, évidemment, c'est plus beau sur PC, mais finalement, aujourd'hui on est devenu très exigeant avec la qualité graphique. Et moi ça me... Donc je sais pas si t'étais déjà venu à l'Extasy, ça me dit quelque chose ton pseudo, je t'avais déjà vu ma poule. Hein. Je m'excuse, mais je suis sûr que je t'ai déjà vu sur le live. En tout cas voilà quoi, j'espère que tu passeras un bon moment avec nous, n'hésite pas à parler. Les gens sont tous gentils ici, putain j'ai besoin de conseils avec le cheval. Et ouais, c'est avec plaisir que je répondrai à tes questions. Tu peux éviter de te foutre comme ça sur moi? Voilà, merci. M'écrase un peu espèce de gros lard. Voilà. Allez, on y va. C'est quoi ce mec? Ça sert d'important. Ensuite, où est-ce qu'on est? En fait, j'ai remarqué dans ce jeu, quand t'es en combat, une fois que tu réussis un enchaînement, quitte à perdre de l'endurance, faut que tu le massacres, le gars. En fait, si tu spams, le gars, il pourra plus rien faire. L'écrase. Oui, là, il faut que je trouve une maison pour dormir. C'est vrai, la dernière fois, j'avais galéré. Là, du coup... Je crois qu'il y a une barque par là. Magnifique scène de crime. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup, Aiden, d'être passé. Gros bisous à toi. Namaste à toi, mon frère. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je t'accueille. Et puis, je te souhaite un très, très bon dodo. Et un gros bisou et à la prochaine, ma biche. Bon, on va faire dodo. Oh putain, y'a le chien qui casse mes travaux. Ouais, voilà, c'est bon. Casse-moi pas les couilles, clébard. Bon, on veut Ipona, hein. Comme je l'ai dit, c'est mon objectif. Des poulets. Quoi ce mec? Mais là, c'est quoi, ça garde? C'est Bailey, what the fuck, on dirait un sarrasin. Et là, je vais faire de la même, c'était le passage du soir. Des bisous à tout le monde. Bisous, bisous à toi aussi, mec. Merci d'être passé, ma poule. C'est très généreux de ta part. A bientôt, ma biche. Alors, un petit dit, s'il vous plaît. C'est ce combat. Et, tu vois, moi, je t'arriverai à regarder dans la VOD. À peu près, qu'est-ce que j'ai fait pour recroiser l'autre gars que j'ai fait en duel. J'aimerais bien, vraiment bien recréer la situation. La VOD de cet après-midi. Toi, tu reviens quand je fais le premier duel. Je regarde, après, je sais que je suis venu dans cette ville, que j'ai réparé mon armure. Est-ce que j'ai réparé mon armure en fin de soirée? Ou le matin? Je crois plutôt le matin. Je me rappelle vraiment plus ce que j'ai fait. Non, j'avais croisé le jour l'autre. Ouais, l'autre. J'avais dormi. J'avais réparé mon armure et je l'étais barré. C'est ça que j'avais fait. Maintenant, je me rappelle.
Attends, je me rappelle. Bon, on cherche juste un lit là, à squatter. Hein. Oh, je vais me dormir là, je m'en bats les couilles. Oh, faut qu'on stage. Je trouve une maison qui est ouverte. Chaque fois, c'est le même bordel pour trouver un putain de lit au squatter. Même un tas de paille, quoi, je m'en fous, mais. Un petit lit, quoi, les gars. Je trouve quelque chose d'ouvert. Ah là, c'est ouvert. Merde, je l'ai réveillé. Je me casse. Elle m'a vu. Là, on va se reposer à cause du duel. On va finir par trouver un petit tas de paille, quoi. Se coucher. Le mec du duel se balade, ils sont pas toujours au même endroit. Ouais, je sais, mais tu vois, comme je reprends la même sauvegarde, c'est pour ça que je dis, si je recrée la même situation, tu vois ce que je veux dire, Izu, je recrée les mêmes paramètres, avec le même temps de pause, etc. Peut-être qu'avec un peu de chance, je peux le recroiser, tu vois. Comme là, je l'ai recroisé. Si je fais exactement la même chose que j'ai fait la première fois, avec un petit peu de chance, hein, je dis vraiment avec de la chance, je peux le recroiser. Cela, mec, c'était le jackpot pour moi. Je suis trop deg, quoi. Je me suis dit cet après-midi, bon, passer ça à battre, avec un peu de chance. Ah, ma petite musique préférée. J'arrive à recréer la même situation. Mais c'est un peu ce que je vais essayer de faire. Alors, est-ce que... Toujours là, tu vois rien là. Du coup, des fois, tu repasses au même endroit plusieurs fois. Oh, vous savez quoi, je vais rentrer dans une baraque, je vais me coucher, je m'en fous. Ça me fait chier de payer dans l'auberge. Tu me dis ouais, mais pourquoi tu payes pas l'auberge et tout? Ouais, bah c'est de l'argent, quoi. Je suis radin. Je veux Epona après quand je serai riche. Il ne tente rien à rien. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, ma poule. Est-ce que j'ai un crochet? Non, j'ai pas de crochet. Il faudra aussi que j'aille faire mon stock de crochet. Comme tu dis, sergent Kuy, qui ne tente rien à rien. Bon, je vais aller à l'auberge et puis va chier, quoi. Sinon, je vais à l'auberge, je paye pas et je squatte un lit. C'est aussi faisable, hein. On peut faire ça, hein. Des cochons qui dorment. Les petits cochonous qui dorment. J'ai découvert ta chaîne hier, j'hésite pour ce jeu. Bah écoute, ma petite biche, si t'aimes ce genre de jeu, si t'as envie de jouer longtemps au même jeu, ou t'as envie de te sentir vraiment d'un point de vue intégré au jeu, immersif, sans être stressé, en profitant de chaque moindre détail, en ayant vraiment la sensation de magie, de fantaisie sans que l'univers soit fantaisique, parce que c'est plutôt c'est un univers médiéval réaliste, ben je pense que tu vas aimer ce jeu. Après, voilà, il faut pas... ce qui est bien, c'est que c'est un peu... ça casse un peu les codes des autres jeux, et tu vas petit à petit appréhender le jeu de manière différente. Il faut pas écouter ce que disent les autres personnes en mode ouais, le système de combat est rigide et tout. Mais de toute façon, tu t'adaptes et tu apprends. Le système de combat, il est très bien. Le système de combat, pour une fois, il est difficile. Et un combat, une fois que tu le gagnes, t'es content. Tu verras, quand je gagne un combat ou un duel, bah, je suis vraiment heureux, quoi. Parce que je l'ai mérité. Chop le fraudeur, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Chop le fraudeur. Putain, mais je repasse plusieurs fois au même endroit, je deviens fou. Bon, c'est quoi? Je retourne dans la barque, là, il y avait l'autre qui dormait. Je vais me foutre à poil. Chop le fraudeur pervers. Ah, peut-être là, j'arrive à rentrer. Ok, c'est bon. Bon, les couilles. Ce lieu est privé, pas de soucis. Ah, c'est toi. C'est un lit, ça, ou c'est quoi? C'est un lit, mec, pourquoi tu dors pas? Elle a pas envie de dormir dans ce lit. Quelqu'un là? Oh putain, y'a des gens. Voilà. Dors là, mec. Tu t'en fous, tu squattes. On va dormir jusqu'à. Avant qu'ils se lèvent. En général, les gens ils se lèvent vers 8h du mat. J'ai remarqué. On va dormir genre jusqu'à 6h. Attends. Énergie 100%. Ouais, je dormais jusqu'à 5 heures. Ça, c'est un bon truc à faire. Si jamais vous squattez une baraque, dormez jusqu'à à peu près 4-5 heures. Les gens, ils vont continuer à dormir à peu près, vous vous barrez. Santé 63, quoi. Il faut que je dorme plus. Tu vois, là, je vais dormir. Ça va pas sauvegarder. C'est ce que je dis. J'ai vu dans laquelle un vidéo, un dev,
Un combat, c'est nerveux, vitesse à 100, maîtrise des combos et parade parfaite. Le combat était magnifique. Ouais, bah ouais, c'est ce que je disais. Salut à toi, BabloH, c'est à toi, ça fait plaisir de te voir, ma biche, j'espère que tu vas bien. C'est ce que je disais, quand tu connais le quand t'as développé le jeu, bah tu sais comment le maîtriser. Mais là, ça va, on commence à se débrouiller, mais après, évidemment, les développeurs, c'est normal, quoi. C'est normal que les types ils fassent des combats badass. Et puis pour vendre leur jeu, bah, ils ont intérêt à s'en sortir, à savoir jouer à leur jeu aussi. Hein. Parce que s'ils vendent un jeu qu'ils savent pas jouer, ça c'est compliqué. Hein. Mais du coup là, on s'en sort déjà mieux. BabloH, on a gagné un duel et tout là, contre un chevalier qui était putain de bien. Les parades, je me suis bien... Pareil, j'ai compris comment ça fonctionne, les parades parfaites, c'est un peu plus chaud. Mais voilà, quoi, j'essaie de faire de mon mieux. Bon, du coup, je voulais aller voir le tailleur. Pour me faire beau, pour Teresa. Alors, ça a ouvert à 10h, je crois. Au revoir. Tac. Bon, l'alimentation, elle descend lentement, quand même. Pas notre gars qui attend comme ça dans la porte, tu sais, autant de temps. Le type, il est en PLS. Il est en PLS. 8h du mat, est-ce que ça suffit? J'aurais pas dû appuyer sur annuler. What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck, j'aime pas trop ça. Ah, j'ai eu plante là. Ah, j'ai eu peur. Je vais acheter du schnapps, les gars. Ah, ça, je vous le dis, j'ai acheté du schnapps. Attends, il est où le tailleur? Il est où le gars? Ah, il est là. Et pour moi tout ça, mon ami. Que Dieu vous accompagne. Et arrêtez de parier avec sa tête, ouais. Un peu ça. Je réparais, mon gars. Je réparais. Attends, mais mec, tu fais quoi? Tailleur, s'il te plaît. Gardez où vous mettez les pieds. Mais je peux plus te parler ou quoi? Tu fais la gueule? Ouais, faut attendre qu'il se pose, je pense. Voilà. Vous avez vu tous ces streamers qui n'ont pas installé la match de 23 gigas et qui chiaient? Ouais, j'ai vu BabloH. Je sais pas, c'est ce que je disais avant. Avant, je disais que je remercie énormément ma communauté d'être fidèle sur mon stream parce que, tu vois, moi, ça fait. J'ai bossé énormément sur ce jeu. Alors, oui, j'ai joué avant, certes, mais j'ai quand même bossé énormément sur le jeu pour pouvoir développer une communauté interactive et sympathique. J'ai fait beaucoup de vidéos YouTube et puis j'avais une bonne visibilité sur le stream. Et puis là, le jeu, il est sorti et t'as des mecs à 580 followers, 580 000 followers qui débarquent sur le jeu. Qui prennent le monopole du Twitch. Donc là, maintenant, si je vais en parcourir et puis que je cherche Chop Chop, est-ce que maintenant on me voit sans en vouloir le plus? Ah, maintenant on me voit grâce à vous, parce que maintenant on est dans l'heure où il y a moins de gens connectés aussi. Ah, est-ce qu'on me voit ou on me voit pas? Oui, on me voit. Mais si je stream en journée, c'est fini maintenant, c'est mort. Mais c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là. Salut à toi, Banak. Salut à toi, Babish. Merci d'être passé sur le stream. Je crois que c'est la première fois que je te vois. En tout cas, namaste à toi, ma poule. Et ces gens-là qui ont 500 000 followers et qui jouent au jeu, ils étaient en train de... Moi, j'ai regardé le stream, ils étaient là. Ouais, mais le combat est trop rigide, il est trop buggé, ce jeu est vraiment déçu après 6 ans d'attente et tout, machin. Allez. Mes oreilles, elles saignaient, j'avais mal au cœur. Et puis des gens qui étaient là dans le stream en train de répondre. Merci beaucoup, Banak, pour ton follow, c'est très générateur, c'est grâce à des gens comme toi que je pourrais évoluer ma chaîne, c'est vraiment très gentil, ça me vient droit dans le cœur, ton geste, mon ami. Et les gens, ils disaient ouais et tout, machin, puis j'étais là, what the fuck, quoi. Et ils ont monopolisé tout le Twitch, et puis nous, ben... Un tout petit peu plus, et on pourra serrer la main. Ah putain, on va lui mettre 180, quoi. Et du coup, ben... Ah ouais, ils ont qu'une patience. Et puis c'est pas que ça, c'est que les gens, ben, ils ont 6000 followers, qui sont là, ben, ils vont être influencés. C'est ça le plus marrant. Après, c'est dommage. Puis après, c'est la même chose pour YouTube. Moi, j'ai mis des vidéos il y a 5-6 jours. Là, il y a des mecs qui débarquent avec 2 millions de followers. Ils mettent une vidéo où ils donnent leur avis sur le jeu après avoir joué une heure, ou ils mettent un tuto après avoir joué 30 minutes. Et puis, les vidéos se font écraser. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de remercier la communauté qui me soutient sur mes lives et puis qui est présente. Et en plus de ça, critiquer le jeu, comme tu dis, sans avoir fait le patch de 23 Go. Mec, 23 Go, c'est ce que je dis. T'as des jeux complets qui font moins de 23 Go, quoi. BioShock, tous les gros jeux qui sont sortis, BioShock, même le premier Dark Souls, il fait moins de 23 Go, quoi. Donc 23 Go.
Moi, moi personnellement, graphiquement, ça me dérange pas. Parce que j'étais habitué aux Elder Scrolls, tu vois. Alors oui, Skyrim, c'est beau, mais comparé à certains jeux, ben c'est peut-être... Mais après, tu dis... moi, je préfère que ce soit graphiquement comme ça, mais il y a zéro temps de chargement. Vous êtes quand même rendu compte que je joue sur console. Normalement, les temps de chargement, ils sont lents sur console. C'est qui se rappelle de Skyrim sur PS3? Vous vous rappelez de Skyrim sur PS3 ou sur Xbox, les temps de chargement? Là, je suis quand même sur console, et vous avez vu, temps de chargement quasi inexistant. C'est quand même une très bonne chose, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que le bon compromis open world, graphique et chargement, il est vachement bien géré. À chaque fois que je rentre dans une auberge, j'ai pas un temps de chargement comme dans un Skyrim, tu vois. Ça, franchement, c'est un... Ouais, voilà, Skyrim PS3, voilà. Une bonne journée à vous. Ouais, c'est comme tu dis, j'allais conduire ma voiture sans roue. C'est exactement ça, ma biche. On va réparer. Tac, mon épée. Ça, on va sortir beau. Putain, j'arrive pas à sélectionner. Voilà. Du chasseur, 203. Quel voleur. Il faut réparer parce que si vous réparez pas après, vous pourrez plus jamais l'utiliser. Marchander. Non, y a pas, je crois qu'il n'y a pas de mode cop à deux, ma poule. Je crois qu'il n'y a pas. Pourquoi pas? Je prends encore mon pied sur Oblivion, Xbox 360 avec des graphismes, mais c'est pas mon exigence première. Ouais, exactement. Exactement. On va dire. Je sais pas, 180. Que dites-vous de cette somme? Ce n'est pas assez. Puis tu vois, moi j'ai 100 heures de jeu. Et je m'amuse encore dans le jeu. Il y a un mec qui a. J'ai vu, il a joué toute la journée, puis il fait ouais, moi, je trouve que c'est quand même redondant, répétitif. J'étais là. What the fuck, quoi. Oh, ah une toute belle, vous voyez la différence à chaque fois, c'est magnifique. Moi. Bonjour monsieur, vous n'avez plus d'estomac, ok. Bon, une greffe, ah ok, je vais manger un kebab, j'aurais. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ma poule. Bon, j'espère que je vais recroiser autre gars là pour le duel. On va voir. Oh, ça le recroise. On le recroise pas, tant pis quoi. Ça serait bien. Ensuite, je le recroise. Bon, moi j'y vais, sinon je vais pas assumer demain. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, merci toi aussi d'être passé. Gros bisous à toi, ma biche. Genre, un plaisir de te voir. Je crois qu'elle était par là. On va passer par là. Il me semble pas que j'étais passé par là la dernière fois. Mais j'essaie de trouver quoi. J'essaie de le trouver. Attends, est-ce que je prends la bonne route là? Non, d'ailleurs j'avais fait la même chose, j'ai fait la même connerie. Ouais, vous rappelez, j'avais fait la même connerie, j'étais parti de là. J'étais allé jusqu'à là au fond, après j'ai fait demi-tour. Voilà, alors cette fois je vais pas faire la même connerie. Tac. Que des gens dans ce jeu, ça rapporte. Dis-moi, tu me piques avec tes poils. Avec ses poils, il pénètre mon short et puis il me pique, le chien. C'est abusé. C'est qui, lui? Tu peux parler depuis le cheval? Non. Non, il faut que tu te mettes à leur niveau. Pour pouvoir discuter avec les gens. Et là, du coup, la map, au niveau de la map, je suis où? Bon, vraiment suivre la même route, ouais, c'est par là. C'est par... Enfin, j'espère que c'est par là. Hâte de finir mon taf de nuit pour vous faire nuit blanche sur le jeu demain soir. Tu m'étonnes, ma biche, tu m'étonnes. Si jamais, Banak, j'ai quelques tutos YouTube, si jamais tu veux... Des tutos qui vont pas te spoil le jeu, hein, pour quand tu vas démarrer sur ma chaîne YouTube, tu trouveras. C'est plus des tutos pour d'entraide, hein, c'est pas des tutos... je vais te dire que tu as faire ça ou ça ou ça, c'est vraiment des tutos où je donne des petits conseils pour éviter d'être frustré sur certains aspects. Où est-ce qu'il y a le mec? Il est pas là. Hein. Donc, là, il est pas là, mais je crois qu'il était plus par là. Merci beaucoup, Cleaver938. Merci beaucoup, mon ami. C'est très généreux de ta part. Ton follow vient droit dans le cœur. C'est qu'un simple clic pour toi, mais c'est un énorme geste pour moi. Merci infiniment, ma biche.
Merci beaucoup, mon ami. On va bientôt atteindre les 600 followers, c'est cool. Nouveau palier. Nouveau palier. Ah, je suis déçu, je vais pas le recroiser. En fait, pour ceux qui savent pas, je suis à peu près 4 heures cet après-midi. Et je suis mort et j'avais pas de sauvegarde, étant donné que j'avais pas de snap sur moi. Et que j'avais pas dormi dans mon lit, et puis etc. Et j'avais buté deux gars qui m'avaient défié en duel, et puis je les avais butés par après. Et du coup, j'avais une armure de malade mental, et je suis mort en descendant une montagne avec mon cheval. Voilà. Voilà. Salut à toi, rien à foutre. Namastata, mon ami. Bienvenue sur le stream, ici c'est un stream convivial, détendu, bonne ambiance, bon enfant. En tout cas, sois le bienvenu à toi, mon ami. J'espère que tu passeras un bon moment avec nous. Super sympa ton pseudo. Rien à foutre, sosie. Super sympa. Bon, on ne trouve pas, hein. Il avait raison, Izu. J'ai un problème. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, ma poule? Qu'est-ce que c'est le problème? Dis-moi quel est ton souci, poulet. Si je peux t'aider, je ferai en sorte, poulet. Je suis bloqué à une quête. À une quête au début, principale, secondaire. Alors moi, j'ai eu un souci avec une quête. Un petit souci. Ouais, je vais essayer de te retrouver le gars du duel, mais c'est mort quoi, je peux laisser tomber. Peut-être par là. Je fais un petit peu le tour pour voir si je le trouve. Dis-nous tout, mon petit. Enfin, mon petit. Hein. Les voies impénétrables. Je sais pas si j'ai... Ah, c'est pas celle... C'est celle de la sorcière, c'est celle où ils prennent des meufs pour la sorcière, c'est celle des forgerons, c'est laquelle déjà? Un principal. Et il se passe quoi dans ton bug? Dis-moi ce qui se passe dans ton bug, Papoul. Ouais, j'ai remarqué, il y a 2-3 petits bugs, mais bon, moi j'ai pu résoudre les bugs. C'est pour ça qu'on fait dans ce jeu, pour vous éviter ça, sauvegarder souvent quoi. Parce que quand t'as un bug, bah en pire des cas, tu te retapes 30 minutes, 40 minutes de jeu. C'est toujours mieux de te taper 40 minutes de jeu que 2-3 heures de jeu quoi. Et ça c'est normal, c'est comme dans Elder Scrolls, des fois vous avez des quêtes qui buguent et puis vous pouvez rien faire. Toujours compliqué dans ce jeu, parce que des fois le moindre petit facteur peut te faire bugger le jeu. En termes de développement, c'est vraiment chaud. Hein. Ouais, il est plus là quoi. Laissez tomber pour le soldat. Vous voulez me faire un duel, c'est fini. Je ne le croiserai pas aujourd'hui. Bah, du coup, on va aller voir Teresa. Attends, je vais peut-être attendre. Juste attendre, genre. Jusqu'à 13h, je dois voir. Ils me disent parler à quelqu'un pour avancer sur l'enquête, mais je trouve pas cette personne. Tu l'as bien cherché, la personne? Parce que tu vois, moi j'ai eu la même chose, et puis après avoir cherché un bon moment, parce que t'as certaines personnes. Ah, ils me disent de parler à quelqu'un pour avancer sur l'enquête. Je trouve. Non, t'inquiète, Bobol, il dit rien, c'est rien d'important ce qu'il est en train de dire, je te rassure. Pas un spoil, y'a rien. C'est insignifiant. Si tu rien spoil. Mais cette en fait tu dois bien la chercher mec. Je pense que c'est pas buggé. Moi je vois ce que tu veux dire. Moi j'ai. Ouais voilà, bah moi j'ai galéré à trouver cette personne. Mais je veux pas. Je veux pas te donner l'emplacement exact, mais enfin je vais te montrer sur ma map. Mais je vous rassure, ouais, voilà, il y a rien de dramatique dans ce qu'il est en train de dire. Je vous le dis sincèrement. Faut que t'ailles par là. Je suis peut-être déjà allé dans la forêt, tout ça. Dans la forêt, oui, t'es allé. Et ensuite, tu réfléchis après la forêt, tu dois revenir là. Faut que tu viennes là. Une fois, après, il faut que tu reviennes là. Tant t'es là.
Faut que tu reviennes là dans cette région. Le mec que tu cherches, il se trouve là. Soit c'est celui qui est là, soit c'est celui qui est là. Après, si ça bug, si c'est vraiment un bug, moi je pense pas que c'est un bug, c'est juste que tu l'as pas trouvé. Parce que moi aussi j'ai mis un petit moment pour le trouver. C'est soit il est par là, soit il est par là. Si c'est un bug, mec, il faut tu recharges la partie, ça sera débugué. Mais moi je pense vraiment que tu t'as juste pas eu de chance si tu l'as pas trouvé. Ok. Ah, vas-y alors.